grand jour. C'est pas un grand jour, mais après une semaine et demie d'être malade, je peux aller revoir Ethel. Ah, ça c'est cool. Ouais, je suis contente. Hein. Youhou. Voilà, so. Bisous. C'est bon, ouais, je sais. Je préfère pas les manger parce qu'elles sont noires, donc voilà. Elles sont noires parce que c'est au frigo. T'as vu qu'ils bouffent pas la peau quand même. Donne-lui à la main, j'aime pas qu'ils prennent comme ça, c'est trop gros. Tu fais quoi là? Je vais le défouler avant de monter. Ok. Je t'ai pas menti de faire des déviations. Hein. Pour prendre le travail. Waouh, quelle motivation. À fond, Eden, il est à fond. Parce que je suis pas venue pendant une semaine et demie, mais c'est parce que j'étais malade. Donc... C'est pas de ma faute, moi je voulais venir. Hein. C'est eux, ils m'empêchaient. Bon, toi tu connais pas la maladie, c'est pas trop la maladie. Ça me fait pas du bien de faire monter une pente. De quoi? C'est perturbant. J'ai l'impression que ça me fait pas du bien de faire monter pendant longtemps. Longtemps, une semaine et demie, elle est. Bah, c'est longtemps. Et tu étais clouée au lit, donc. Ça va aller. C'est une torture. Torture. C'est comme tous les sports, elle est. Bah lui, il a vécu sa best life au pré en une semaine et demie. Lui, il s'en fout de ta torture. Chut, on lui dit pas. J'ai l'impression d'avoir des plus grosses fesses. Je sais pas quoi répondre.
Il va te foutre un gros coup de cul là, tu vas voler, tu vas aller ressentir des invasions. Tu as retrouvé la gueule par terre. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé mes sensations. Il veut partir au galop, elle est pas prête, Mamie Mougeot. Bah voilà, Mamie Mougeot elle se réveille un petit peu après une semaine et demie de malade. Bon bah cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà. Bisous, je vous aime. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et Denis vous dit au revoir.